vais vous présenter aujourd'hui une petite recette qui est toute simple, ma foi, mais bon, qui peut permettre de ne pas jeter à la poubelle du pain qui est peut-être un peu trop sec pour manger directement. C'est donc le célèbre pain perdu. Donc voici les ingrédients nécessaires, c'est tout simple. Donc le pain, bien entendu. Évidemment, normalement, c'est avec du pain blanc que c'est préférable, mais bon, moi ici, c'est du pain pipi, mais ce n'est pas mauvais pour autant. Donc le pain, du lait, des œufs, du sucre, et alors un plat pour tout mélanger. Un plat, je vais dire, assez rond, mais assez large, et qui est avec un petit rebord. Comme ça, on pourra tremper facilement les tartines dedans après. Tout d'abord, enlevez les croûtes de la tartine à l'aide d'un couteau. Je vais maintenant casser mes œufs dans mon plat, plus ou moins un œuf par tartine. Je vais maintenant incorporer mon lait, quelques millilitres, mon sucre ainsi qu'un sachet de sucre vanillé pour le goût. Battre le tout ensemble. Après avoir déposé un peu de beurre dans ma poêle, j'incorpore ma tartine dans le mélange, recto et verso, et je la dépose dans la poêle et fais cuire quelques secondes de chaque côté. Et bien voilà, c'est une petite recette toute simple, mais qui permet de récupérer, comme je le disais là tantôt, du pain, au lieu de le jeter à la poubelle. Il était parfois un petit peu sec pour le manger, et bien on le récupère de cette façon-là. J'espère que la petite recette vous aura plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci, à bientôt.